suite à l'annonce du départ de Xavier Demoulin, qui animait le magazine 66 minutes depuis 11 ans. La présentatrice Laurence Boccolini vient d'annoncer qu'elle mettra un terme définitif à sa carrière à la télévision. À l'âge de 60 ans, Laurence Boccolini s'est fait connaître grâce à sa participation à diverses émissions de télévision de renom. Elle a été l'animatrice emblématique du Maillon Faible, de Money Drop et actuellement de Tout le monde veut prendre sa place. Après une carrière de plus de 40 ans dans le domaine du journalisme, Laurence Boccolini ressent maintenant le désir d'explorer de nouveaux horizons. Ayant exprimé son souhait de quitter l'émission précédemment animée par Nagui, l'animatrice de télévision a récemment confessé qu'elle ne souhaite pas passer une décennie supplémentaire à l'écran. Lors de son passage dans l'émission Chez Jordan animée par Jordan Deluxe sur C8, elle a réitéré sa volonté d'entreprendre de nouvelles aventures. Il a été mentionné que Sarah de Padua pourrait être sa remplaçante dans son émission sur France 2. Laurence Boccolini a clairement affirmé qu'elle ne se voyait pas évoluer à la télévision dans les 10 prochaines années. Lorsque Jordan Deluxe a demandé à Laurence Boccolini où elle se voyait dans 10 ans, elle a répondu de manière directe et avec un rire franc, « Eh bien, pas à la télé. » Elle a ajouté, taquinant Jordan Deluxe, « Ça va pas bien non ?» Elle a ensuite détaillé son nouveau projet de vie qu'elle convoite en disant, « Non, je me vois en train d'écrire, le tout accompagné d'un sourire. » Elle a également souligné la pression intense liée à son travail de tournage, où il est nécessaire d'être constamment en forme. Laurence Boccolini a ensuite détaillé sa vision de l'avenir en déclarant « Je me vois en train de me dire « Tiens, aujourd'hui, je n'ai rien à faire, aujourd'hui, je ne vais pas tourner, aujourd'hui, je ne suis pas fatiguée, aujourd'hui. Je n'ai plus peur de perdre ma voix, je n'ai pas peur d'attraper un rhume. » Elle a énuméré ces éléments pour expliquer pourquoi elle souhaite quitter la télévision. Selon elle, être animatrice devant des milliers de spectateurs est très éprouvant. Elle a explicité, « Si j'attrape un rhume, je ne peux pas tourner. » Laurence Boccolini a également souligné la forte pression liée au métier de tournage. Elle a ajouté, « C'est une grosse pression de tourner. Vous devez être en permanence en forme. »